Bonsoir YouTube, bonsoir tout le monde, je suis avec Anto qui est dédié venir. Je suis avec Julien, le patron de la partie encore pour cette soirée. Comment vous allez tous bien? Est-ce que c'est la forme? Ça toujours. Ah bah, nous sommes avec Twitch, nous avons réussi le défi du dernier épisode qui était de 10k, j'ai oublié de... Non, c'était 50k, pardon, pas de téléportation. 1, 2, 3. J'avais oublié tout simplement de rajouter les sous en fin d'épisode, j'étais tellement pris par ma connerie. Que du coup c'était compliqué, voilà. Du coup, je vous propose Twitch de rajouter bien sûr un défi. Le premier qui me pose un défi, le défi sera accepté automatiquement. Donc allez-y, le plus rapide, c'est parti. C'est des modes modhub qui te marquent, le petit Texas. Ouais, mec, quand c'est comme ça, Texas, au lieu de mettre les modes, parce que là, comme t'as mis les modes, en fait, j'ai juste mis les dossiers. Mets-moi directement le lien. Lien. Bah, tout le monde a mis les liens, en fait. Tu regardes, Aurel l'a mis les liens, moi j'ai mis les liens. Tu mets les liens plutôt que de mettre les directement le mode. Au moins, nous, on peut quand même regarder un petit peu ce que c'est. J'ai oublié que j'étais pas patron. Pardon. Et patron. Oui. Et boss. Et y'a un problème. Il a accepté toutes les missions. J'ai accepté. T'as rendu toutes les missions, chef. Y'est pas grave. C'est pas grave. C'est bien, merci. Désolé, Patola. Moi, il n'y a pas fait exprès. Moi, il a cliqué instinctivement. My boss. Il est habituel, hein. Qu'est-ce que je te dis? Du coup, qu'est-ce qu'on fait, boss? Parce que moi, je suis vers Belle Blonde, là. Qui est. Moi, il y a le Fent. Voilà, comment te dire? Moi, il attend toujours des filles et j'attends toujours les ordres. Alors, tu achètes le tracteur, le MF 3655. Ah, pas d'ouvrier. On a le défi, boss. Pas le droit à l'ouvrier. Ils sont OK, patron? Ouais, même si t'es pas OK, c'est pas grave, je prends quand même. Ça, il a pas le choix. Il a fait quoi, le coup, Juju? Il a fait toutes les missions de la bourre pendant que j'étais en train de faire mon cultier. Voilà. Bravo, une bière en direct, 50k. Merci beaucoup, Clubout. Merci, merci. Du coup, pas le droit à l'ouvrier. Du coup, il m'a dit d'acheter le MF combien? 3655. 3655. Ne serait-il pas un mode? Oui. 3600. Ok, 3600. On est d'accord. Hein. Et du coup, ce mode, et bien sûr, chef, je te pose la question, hein, mais ce mode, bien sûr, comprend le 3600, le 3125 et le 3115, on est d'accord, hein? Oui. D'accord, impeccable, chef. Et du coup, le 655, il m'a dit, patron. Et marque de pneu, parce qu'on a du Mitas, on a du BKT, on a du Verstappen, ou Verstappen, je sais pas, je suis en train de repenser à une connerie. On met quoi, chef? Du Mitas. Limitas. Ok, Mitas. Configuration standard, standard 2. C'est juste les roues avant, elles ont des ports ou pas des ports. C'est pour la prise la prise au vent. Standard. Standard, ok. Terminal, autotronic, datatronic. Autotronic ou datatronic. Alors ça change. Ça change la console, hein. Ouais, c'est juste la console au mieux. Mais c'est quoi qui. Le Datatronic, je le connais pas du tout, le Datatronic. On dit, il veut le laisser en autotronic, on va le laisser en autotronic. Massey Ferguson Root Sticker. Non, oui. Alors, je sais pas ce que ça rajoute. Je suis en train de chercher. Attends, patelon. Moyen chercher, je crois que c'est le. Oui, c'est le sticker en haut sur la cabine MF. Mmh. J'ai mis oui ou non, chef? Oui. Oui, ok. Front green sticker, sticker middle. Donc milieu de gris là. Vous avez la possibilité d'enlever ou de le déplacer. Ah non, on peut pas l'enlever. C'est middle ou droite. Voilà, c'est. Droite. D'accord, ok. Bon, bah comme quoi que, des fois. Chargeuse avant ou pas? Bien sûr. Bien sûr. Oh yeah, hair ou kick. Oh, j'ai la connerie ce soir. Kick. Couleur principale. Rouge. Et gris, on laisse en d'origine. On est OK, chef? On est OK.
Ok, chef. Nice. 70 000 euros de dépensés. Nice. Impeccable, chef. Du coup. Et maintenant, tu achètes le Bredal. Le Bredal. Alors, attends, je cherche déjà mon tracteur. Voilà. J'achète le Bredal. Le Bredal. Alors, tu vas me guider, hein, parce que moi, Bredal, c'est une marque. Et je sais pas tes demandes exactes. Je voudrais pas me tromper. Le K105 ou le K165? Ah. Je veux dire. Vas-y, vas-y. Le petit ou le gros? Le double essieu ou le simple essieu? Le grande capacité ou le petit capacité? Mais le triple essieu, il est où? Il y en a pas. Mais fous-moi la paix. Ah, t'as vu la taille de la carte, toi? Si on a un triple essieu sur cette carte, on va mourir. T'es. Putain, le train de la hype qui vient de redémarrer? Non. Ah non, c'est un bug, c'est un glitch. J'ai eu peur. Le triple. Le double. Putain. Et c'est la victoire! La Coupe du Monde est à la portée! Le triple, le simple, le double, pardon. Tu m'as dit le K165, on est d'accord? Oui. Ok. Extension? Extension. Yes. Marque de pneus? Verstappen, Midas, BKT, je vais la faire à chaque fois celle-là. Michelin? Trailball? Redestien. Et Dustin. Là, c'était Verstappen, quoi. Voilà, c'est ça. T'es. Et pneus qui vont plus vite que McLaren. Configuration des roues, standard ou pneus étroits? Les roues standard. Putain, elles sont tellement plus jolies en roues étroits. Mais bon, c'est pas grave. Standard. Disque d'épandage. 6 mètres? Oui. Ouais, bah oui, bien sûr. Bah, bien sûr. Tu prends le plus gros de la configuration. D'accord. Il faudra 88 000 euros, chef. Donc, je fais 88 000 euros. Hop là. Nice. Impeccable. Hop là. Du coup, je prends le MF. Oui, je prends le MF. Et je prends le Bredal, je suppose, chef. Oui. Ok. Faut que je remplisse le Bredal. Bien sûr. Yes. Impeccable. Petite question de... Aurais-je des missions de show à faire? Non. D'accord. Et pourquoi cet achat, du coup? Tu as le champ 17 à faire. 17 à faire. Ok, chef. Champ 17 à faire avec la show, alors. Oui. C'est bien un chef, celui-là. L'autre, il est à côté de son tracteur, il travaille pas. Qui? Bah, le chef. Ah, Julien? Oui. Mon Dieu. Et ça y est. Toi, Anto? Pas moi. Parce que le cultivateur, tu fonces aussi au champ 17. Est-ce que vous avez vu la réaction? Franchement, putain, dommage qu'il n'y a pas de montage. Regarde, là, tu me rentres dedans tellement qu'il est rageux. Je répare déjà mon tracteur qui n'a pas été réparé. D'accord, alors, répare-le, et après tu vas au champ 17. Quoi, moi? Comment ça, moi? Moi, je ne fais pas partie du jeu, moi. Laissez-moi tranquille, bordel! Mais bonjour! Là, là, là! Eh, hey, tu sais, les bottes, elles vont pas rentrer dans le Bredal! Oh, putain! Non, bah, je cherche pas. J'ai la chou qui est de l'autre côté. Voilà. Juste, c'est pas ouvert du bon côté, hein, tant pis pour eux. Ah, putain, que c'était pas mal, celle-là. Elle était pas mal, j'ai kiffé. Et Anto, je fais la sieste. Non, non, t'inquiète, j'ai pas été oublié, tu sais. Tu vas ramasser ces verres ce soir. Ah ouais, non, mais on va rigoler ce soir. Je pense qu'on va rigoler. On a déjà rigolé au premier épisode. Bah, le deuxième, là, il va être épique parce que maintenant, il y a Anto en deuxième ouvrier. Il faut les occuper, les ouvriers. Hein, ça se paye pas à rien foutre. Donc, il faut les occuper. Ça pourrait être marrant, tu sais. Moi, j'aime bien être payé à rien foutre. Oui, mais ça arrive rarement. J'ai pas toi de ton côté, mais moi, du moins, c'est rare que je sois payé à rien foutre. Ça fait 2 mois que je suis payé à rien foutre. Bah toi t'as de la chance toi. Ton patron il embauche pas. On va venir faire un tour. Qui il embauche? Ouais mais t'es un peu loin. Là ça c'est à loin. Un peu loin de chez moi t'sais. Y'a Kiri dans le chat. Ça se paye un ouvrier? Ouais c'est nouveau ça. C'est payant un ouvrier? Non mais oh. C'est qui a lancé cette politique là? Quelle loi à la con qui a été encore tombée là? Non mais oh. Oubliez pas, on n'a pas le droit aux ouvriers les enfants. Hein. Vous faites pas attraper. Eh patron? Tu l'as bien dit, vous faites pas attraper. Oui.
Mais je l'ai dit en subliminal, t'étais pas obligé de le relever, quoi, tu vois. Salut Didu, salut, salut. Je crois que Anto va prendre. Ouais, ouais, je pense aussi, il va rigoler. T'es. Attends, bah du coup, il me répond pas, le patron. Hé, hey, patron ! Oui. Oui, ah, c'est chiant, t'as vu. Bienvenue dans ma vie. Je vais où ? Au champ 17. 17 ? Pourquoi 17 ? Il est où le 17 ? 16, 17, ok, il est vers nous. Il est juste en face de la ferme. Ouais, ouais, il est chez nous. Hé ! Hé, patron ! Il y a un problème ! Première, deuxième, troisième, ok ! Et patron, et quatrième, capote. Il y a moteur bridal poussé tracteur. Tracteur, non pas russe, tracteur. Le tracteur, il se promène dans tous les sens. Le matériel qui est plus gros que le tracteur qui tire. C'est ça. Ah, pour un 150 chevaux, 155 chevaux d'ailleurs, je trouve qu'il a quand même des couilles d'arriver à pousser. Il va bien, il va pas trop mal. Il est plus gros. Juste, il manque une masse à l'avant, je pense. Oh, ouah, j'ai failli me faire découper. Oh putain, mais là, ça y est, je suis parti. Mon gars, je fais du drift. J'ai pas trouvé plus gros en massé vieux. En vieux massé, t'as pas trouvé plus gros ? Non. Ah. Au pire, fais demi-tour. Oui, chef. Et achète-moi une masse. Achète-moi une masse, sinon ça va être trop long. Là. Ouais, décroche le bréda, là. Je vais juste faire. juste faire comme ça. Et Patron, on a un problème de cailloux ici. Où ça ? Bah dans le champ 17. Salut, Jérôme. Là où tu nous as envoyé. Là, faut ramasser un caillou, Patalon. Patalon, faut ramasser les cailloux ou on les ramasse pas ? On verra ça au prochain tour. On les ramasse, ok. C'est pas des jeunes, Patalon, parce que me semblerait, Patalon, sans vouloir vous offenser, qu'avec le rouleau, quand c'est des pierres de petite capacité, espèce de connard de PNJ de merde, le rouleau écrase les pierres. Non mais, ouais, mais oh. Eh, hey, le code de la route, quoi, putain. Ça y est, ils vont tous c'est me les faire. Rouges. Pardon, excusez-moi. C'est des rouges. Eh ben, rouge, note. Eh ben, faut les ramasser, chef. Faut les ramasser. Roulez bourré. Alors, c'est pas moi qui ai bourré. On les ramasse comment ? Tu viens avec le chargeur, on les ramasse un par un ? De quoi ? Comment ? Moi, j'ai pas compris la question. Tu viens avec le chargeur, on les ramasse un par un ? Non, moi, j'ai pas envie. Quoi qu'on n'a pas le... Eh, mais les PNJ, quoi. Bon, là, c'est un peu ma faute. Là, j'avoue que c'était de ma faute. Mais... Non, mais ils sont hard sur la, ils sur la sont game, là. Vénère ici. Mais là, ouais, mais là, j'avoue, c'était de ma faute. J'ai été un peu fort. Patron, elle est où, ma masse ? Je suis au magasin ? Tu aurais pas envie de dire quelque chose ? Il est pas trop, et pas ma masse. À la main qui marque dans le chat. Pardon. Vas-y, achète-la, Julien. Achète. Là, quand je dis patron, c'est amical. Quand je dis Julien, c'est que ça devient moins amical. Et le patron qui revient, il met la casquette, hop, il la enlève. C'est pas moi le patron. Achète-moi une masse, s'il te plaît. Comme des bons ouvriers à la main, ouais. Il va péter les plombs à la fin de la soirée, hors de rien. Oui, oui, oui. Une masse de 3 tonnes, comme ça, il va lever derrière. Ça pourrait être pas mal. Ah bah voilà. Une masse pour casser les cailloux. Bah c'est ça. Mais oui, D8. Ok, mais c'est un génie. Mais c'est un génie. Une masse pour péter les cailloux. Mais oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Il va pas me l'acheter, ma masse. Allô, Houston. On a un problème. Ah si, ça y est, il me l'a acheté. Merci beaucoup, merci. Et la ramasseuse de cailloux, tu fais comment alors pour la ramasseuse de cailloux là ? C'est Anto qui s'en occupe ou tu veux que je lui ramène un peu en avance là ? Je suis au magasin. Tu lui ramènes ? D'accord, bah loue-la moi. C'est toi le patron, donc c'est toi qui fais les achats. Enfin les achats. Si t'as envie d'acheter, bien sûr. Après, si tu veux la louer, vu qu'elle est... De toute façon, on va jamais la rentabiliser, donc tu peux la louer, tu sais. Oh, merci Lunatic pour le follow. Merci beaucoup. Eh, si c'est pas magnifique ça. Incroyable. Je suis un ouvrier. Optimum. J'optimise mes déplacements. C'est incroyable. Allez, Zou, c'est parti. Tu lui emmènes vite.
Je sais pas où il est, Anto. T'es dans le 17 aussi, Anto, toi ? Dans le champ 17. Ouais, mais il faut que tu reviennes un peu vers moi, là. Parce que je pourrais pas ramener la Bredal et le MF. Ça va pas être possible. Dépose quelque part. Bah, je le dépose là où j'ai le Bredal pour récupérer le Bredal. Je suis curieux de savoir à quoi ça sert, ce truc à droite, là. C'est une calculatrice ? C'est une calculatrice de rendement, non ? C'est quoi ? Ben non. T'as les heures et tout, c'est un compteur d'hectares, je pense. Ouais, RPM, HA, hectare, il y a l'horloge, kilomètre heure. C'est le tableau de bord numérique, sauf qu'il est pas au tableau de bord. D'accord. J'avais pas vu. En tout cas, il est bien modélisé. Hein. Dynamic shit sur le tableau de bord, c'est marqué. Ah non, c'est marqué quoi ? Dyna shit. Putain. Dyna shift ! Pardon, excusez-moi, j'ai mal lu. Regardez. Il y a ABC, lapin, tortue. Incroyable ça. C'est super bien fait. J'avais trouvé le même que t'as là. Ouais. Ah. Sauf qu'il était un peu trop cheaté. Ah bon ? Oh, il faisait que 867 chevaux. 867 chevaux ? Ah ouais, d'accord. Oh, c'est peut-être un peu trop énervé. Bien sûr, moi je me suis posé. J'ai posé la Bredal dans un endroit où je vais être emmerdé pour sortir de là à cause des Benji. Bah, surtout que t'as posé la machine à pierre. Ouais, là où devant. Il ouais, bah oui, c'est ce que j'ai dit. Tu sais que je galère quand même un peu légèrement avec le Bredal là. Non, on désactivera pas le trafic. Enfin, tu vois ça avec le patron, parce que c'est pas moi le patron. Eh, hey, patron, on désactive le trafic ou pas? Il y a eu un moment de réflexion. Qu'est-ce que Schizo ferait dans cette situation? Je crois que dans sa tête, c'est comme ça qu'il réfléchit. C'est comme ça qu'il doit penser. Alors, Schizo, il ferait quoi dans cette situation? Pourquoi j'ai encore le nez qui se barre en couille? Tu m'expliques, là? Elle est pas assez lourde, la masse. Il m'a pris une masse de combien? Ah si, il m'a pris 900 kilos. Normalement, ça aurait dû être assez lourd. Non mais je fais comment, chef? Putain, je dirais, t'as juste 20 tonnes derrière. Ouais, mais c'est rien. Regardez. Oh putain. Ah ouais, mais je peux pas passer la chaux tant que t'as pas ramassé les pierres. Puis t'es en train de... Il est en train de labourer, là. Enfin, il est en train de cultiver, quoi. Eh, patron! Tu fais quoi, patron? Sans indiscrétion. Là, je suis en train de labourer. En train de labourer? Non, parce que si... Je sais pas s'il laboure la patronne, mais... Comment dire? J'étais en train de réfléchir à quelque chose, patron, mais... Oui. Peut-être un tracteur plus costaud pour aider moi à Bredal. Parce que Bredal, trop gros pour MF. Il manquerait un peu comme Renault, 50 ou 60 chevaux. Oui, mais c'est pas moi Renault. Le patron. Mais ta gueule, c'est pas moi le patron. T'sais. Laisse le patron décider. Alors... Il faut bien que je le présente, ce mode. Je suis même pas sûr que je prends les pierreuses, en plus. Je vais essayer de passer les pierres avant, mais ça va être compliqué. Respire, Anto. Anto, il respire. Ah, quoi que c'est pas moi, je peux pas décider. Non, je vais te louer un nouveau tracteur. What? Comment ça? Moi, y'a pas compris, patron. Pourquoi tu veux me louer un nouveau tracteur? Moi, y'a pas compris. Moi, on a tout le matériel nécessaire. Là, il faut déjà que je travaille un peu avec le MF, histoire de présenter le MF. C'est une suggestion, hein, bien sûr. Mais tu veux louer un mode, c'est ça? Oui. D'accord. Ok, bah alors j'ai juste le droit de... Voilà. Là, on reconnaît les patrons. Voilà, donc je vais fermer ma gueule, je vais laisser le patron parler, donc vas-y. Loue un tracteur qu'on ira chercher juste après. Pour faire la show, du coup, vu que le Bredal est... L'EMF est un tout petit peu trop petit, quoi. Et ça va être pas mal. Ça va être juste pas mal. Non, celui-là, c'est sûr. Il sera assez puissant. D'accord. Est-ce que tu nous as mis en mode en grand... Avec beaucoup de chevaux, Anto? Rien. Rien. D'accord.
La Porsche pour t'apprendre à discuter. Quoi? Le Porsche pour apprendre à discuter. J'ai pas compris. Laisse les pros faire. Ah ouais, là voilà. Tu m'arraches le nez. T'es... Ok. Ah, c'est bon, je sais ce qu'il a loué. 15 000 euros. À mon avis, la même couleur que j'ai. Ah, il a pris un Fiat 1000. Bah, ça, c'est pour toi, bichon. Ah oui, nous on complote pendant que le patron est pas là, tu sais. Voilà, c'est pas comme ça que ça se passe dans vos entreprises. Quand le patron est pas là, en temps normal, on complote sur le patron. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. C'est ça. T'as vu aujourd'hui comment il est habillé? Ah mon dieu! En costard, on aurait dit Et voilà, blague loupée. Charlie Chaplin. Et le petit gris. Quand tu réclames, c'est ta punition. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. On met quoi là-dedans, patron? Alors, dedans... il nous faut... Putain, on est sur écoute H24 avec le patron, attention. Pas dire de conneries trop longtemps, il va le prendre mal. Juju s'en fout, il est en slip. Alors, je sais pas si Juju est en slip, mais moi je suis en caleçon. Hein. Je dis ça, je dis rien, hein. Il y a juste le sweat, hein. Mais il fait tellement chaud en haut là que je suis en caleçon. Je dis rien. Et oui, vous voyez jamais l'envers du décor. Yeah! Pardon, patelon. Moi, j'ai coupé la parole, mais alerte était pas mal. Il est bien tombé, alerte. De l'ébli. On va faire des blis. Du blé, quoi. Oui, du blé. Ah oui, des blis. T'as pas compris la bague? Anto, on l'a perdu. Je crois qu'on va le perdre tout le long de la soirée. Anto, là, il est en mode... il est en mode déprime. Tu sais, c'est la boiserie en mode... 40 heures de tournage. J'ai une carotte. Maman, j'ai une carotte. C'est sûr que tout le monde aura la ref. Ça va être pas mal. Et bonjour Chris Cognac. Bah tiens, je pense qu'il y en a un qui aura besoin d'un cognac là dans pas longtemps. Attends, je vais tirer tout droit. T'sais. As-tu ta bouteille d'eau finalement, patron? Non, toujours pas. J'ai toujours pas eu ma bouteille d'eau. Qui t'a demandé une bouteille d'eau? J'ai demandé une bouteille d'eau à ma fille qui est toujours accrochée après son téléphone. Normalement, elle est toujours accrochée dessus. Et là, comme par hasard, elle est pas sur le téléphone. Donc je suppose qu'elle doit être soit avec ma femme en train de picoler. Attention, ça m'étonnerait pas. Hein? Non, je rigole, bien sûr. Et derrière, elle doit être en train de regarder Supernatural toutes les deux. Du coup, elle a lâché le téléphone et du coup, elle a pas vu mon message. Va la chercher en slip, là. Je suis pas en slip! Je suis en caleçon, bordel de merde. Mais j'ai pas eu ma bouteille, tu sais. Vas-y, combien de litres il veut? Combien de litres de cognac tu veux? Là, il faut au moins le fût. Hein. Le fût. Il faut le fût, patelon. Attends, patelon! On peut acheter cognac sur frais de société, patelon? Non. Non, putain, le patron il est radin. Pour Noël! Cadeau de fin d'année, non? On te lavaille bien! On verra. Ouais, putain, mais ouais, bah. Et il ferait en tout cas un excellent patron. Voilà. Il lâche rien, garde ses objectifs, il ferait un excellent patron, moi je te le dis. Un excellent con. Patron. Ah non, merde. Passe pas le bredal avec. Anto, tu vas te faire engueuler. Passe pas le bredal. Il a loué un véhicule. Ah mais tu as été le chercher. Non? Si. Ah oui. C'est le 1000 ou? Ouais, c'est le 1000. Non, 942. Ah non. 942. C'est un mode ça? Ouais. Oui, c'est celui qu'on avait sur l'autre partie. Que j'avais remis. On avait pris le Fendt S7 là. Eh ben prends mon MF, je vais le présenter. T'sais. Ouais, je suis désolé, c'est un Fendt. Non, c'est pour toi, mais là je vais le présenter. Oh, ça y est, mamie, les lignes du VCA, le bâtard. Ah, laissez mes tracteurs tranquilles. Mon dieu. Moi, je suis venu piquer mon tracteur, je dis ça, je dis rien, mais... Le Fendt, je sais même plus c'est quoi, CTRL A. 942. Non, c'est pas CTRL A. 942, bien sûr. CTRL Z. Ouais, bon, bah, c'est pas grave, je vais travailler avec le Bredal. Avec le VCA.
ou c'est Alt Z. Je vais faire une connerie dans 10 secondes. Non, c'est Alt A, voilà. Du coup, le Fent 942, une bête de compétition, avec en option pas grand chose, mais un beau volant, voilà, comme vous voyez. En tout cas, il fait le café. C'est vrai qu'il est puissant. Je peux pas y cracher dessus. C'est un très bon mode qui marche très bien, qui est assez stylé. Je sais plus s'il a une interface. Je crois qu'il a une interface. Non, il a pas l'interface celui-là. Je crois qu'il avait une interface intuitif, mais non, il l'a pas. Mais je crois que c'est celui-là. Tu peux ouvrir les carreaux et tout, il me semble. Bah, je croyais, mais non, parce que je le vois pas. Je le vois vraiment pas. T'sais. Du coup. Nous sommes partis pour épandre avec notre commun. Et comme vous voyez, il a très peu de traînée. Voilà. Il a patiné un tout petit peu au démarrage. 22% de patinage. C'était pas dégueulasse pour une catégorie 1000 chevaux. Il fait combien celui-là? 940 Non, non, le plus gros. Le 420 plus gros. Chevaux. 420 chevaux, pardon. Le plus gros des 900 celui-là. Plus gros des. Voilà, le plus gros des 900. En IRL aussi d'ailleurs. Ah ouais? Et après, on passe sur le 1000, ouais. D'accord. Le 942, c'est le plus gros des 900. Et encore, ça fait pas longtemps, parce que jusqu'à... Il y a... 2-3 ans, si je me trompe pas. Le plus gros, c'était le 939. D'accord. Merci pour cette information enrichissante. Et les données techniques sur les tracteurs Fendt. Incroyable. Merci beaucoup. Du coup, il a la. J'ai même pas fait gaffe, mais niveau design, il a la nouvelle façade, non? Non, il a toujours la même gueule que le Fendt 700 en fait. C'est la dernière génération, ça. C'est la dernière gen, ça? Ouais. D'accord. Je croyais qu'ils auraient changé quelque chose, mais non. Ah, il y a le. T'as la cabine. T'as la cabine One dedans? Ouais, 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 ça, bah, ça oui. Ça, ou ils auraient un peu amélioré le. Le design extérieur, mais sans plus, quoi. Ouais, ouais, c'est pas énormément... je veux dire, t'es pas passé de... Pas NH, quoi. NH, ils ont fait des grosses modifs, quoi. Bah, en même temps, quand tu restes dans les années 80, et à un moment donné, il faut évoluer, quoi. Oh, le tacle gratuit. Ça, c'est fait. Allez, bim. Ouais, mais faut rester... faut remettre l'église au milieu du village, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je serais presque tout oui et tout d'accord avec tout. Hein. GDL, la map, je l'aime bien. Bah, c'est la pinçonnière et pas la prisonnière. Hein. La prisonnière, c'est ma fille quand je vais redescendre. Je vais la priver de télé. Je suis dégoûté. Je suis sûr que si j'envoie un message à ma femme, elle me... On va tester. Attends, bouge pas. Pour pas perturber, bien sûr, la rediff, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en vocal. Tu peux dire à la gamine qui me ramène une bouteille d'eau, s'il te plaît. Merci, bisous, je t'aime. Mon amour de ma vie. Qui doit être en train de dormir ou de regarder Supernatural. J'adore Siri pour ça. En vocal, ça marche super bien. Même si mon téléphone, il a 10 ans. du coup, Patelin. Oui. Il est fini, Patelin. T'as fini? Oui, fini, Patelin. On fait quoi, Patelin? Tu peux prendre le semoir. Ah, ma femme a lu le message déjà. Déjà, elle était sur le téléphone. Peut-être avec son amant. Je vais prendre le semoir, Patelin, mais avec quel tracteur, Patelin? Bon, alors, faut que je fasse demi-tour. Putain, mais laissez-moi passer les PNJ, quoi. Allez, avance, ta mère! Mais il est con ou il le fait exprès, là? Voilà. Avec le tracteur que Anto, il a... D'accord. En plus, il faut que j'aille piquer le tracteur en Anto, quoi. Attends, faut que je ramène le Bredal à la maison. Oui, il cherche les problèmes. Il cherche les problèmes. Pourquoi? T'es avec quel tracteur, toi? Bah, le fait. Encore? Bah, moi, j'ai le 900. J'ai le 900 et toi, t'as le 700. Non, plutôt avec le MF. Avec le MF, ok. Nice. Nice, Patelin. Et bijou. On fait un échange de matériel, j'ai pas envie de me garer, j'ai pas envie de me faire chier. Heureusement que j'avais dit petit matériel. Tiens, va, vas-y. Hop, c'est ça. Tiens, cadeau. Hop, voilà. Et on plante du blé pour Ibli, c'est ça? Oui. Ok. Et pas bon, Ibli, c'est dégueulasse.
Du blé. Ok, du blé. Nous sommes partis planter du blé. Eh, patron ? Oui ? T'es pas assez riche pour nous acheter un semoir un peu plus grand, patron ? Si c'est demandé aussi gentiment. Alors, je suis pas sûr que c'était demandé gentiment, mais je te l'accorde, c'était demandé avec cœur en tout cas. Non. J'ai MG direct qui a répondu non. Achète-les ouais, pas ce soir. Non. Pour faire 3 hectares. Oh, bah, oh merde. 3 hectares, ça peut aller plus vite. Et tu sais que t'as passé le champ. Hein. Oui, je suis parti au magasin chercher mon nouveau semoir et me faire rentrer dedans. Oh ! Elle arrive la gamine et ouais, on regarde Supernatural, madame, lui aussi, bisous, je t'aime. Oh, bisous madame ! Mademoiselle, pardon, excusez-moi, parce que le jour où c'est madame, je le tue, mais bon. Mais on crache pas dessus, elle me postillonne sur la gueule en plus. Allez, ah, envoie la bouteille, aussi. Merci beaucoup. La gamine, c'est ta gamine, ouais. C'est vrai ? Je suis ta gamine. Tu es ma gamine ? Ouais. T'as un test de paternité pour être sûr de ça là ? Parce qu'on dit maman sûre, papa pas sûr, hein, c'est peut-être le facteur. Moi je sais pas où ta mère elle a traîné ses nichons. Hein. Merci ma fille, j'étais en train de me déshydrater. Voilà. Je t'ai envoyé un message mais tu t'es pas sur ton téléphone ? Bah oui, t'es sur ton lit pour une fois. Que t'avais besoin de ton téléphone, que papa t'a aidé. T'es crié à l'aide ! Et même pas, voilà, tu sais. Oh non. Alors, on y va. Lequel ? Tu vas faire le con. Je vais m'étouffer. Merci, ma fille. Dis bisous, tu peux retourner regarder Supernatural. Tiens, descends-moi ça dans les mamelons. Celle-là, elle est pourrie. Écoute, je suis pas en train de te dire, vide-moi le bureau là-bas qui est rempli de bouteilles. Donc, fais pas cette tête. Allez, des bisous, casse-toi. Il y en a qui bossent. Je suis en plein épisode YouTube, là, tu comprends pas ? Je suis en plein épisode YouTube là, on est en live là, il y a 100 personnes là. Il va faire un coucou. Vas-y, continue et je pense que tu fais tomber un écran. Il y a un passage là, tu peux passer là. T'es habillé comment là ? Oh ! Pas de proxénétisme ! Non mais ça veut dire quoi ça ? Non mais t'amuses ! Montre qu'une tête hein ! Je veux pas plus hein ! Attention ! Une tête ! Une tête ! Allez viens ! Mais viens ouais, mais à 3. Tiens. Non, j'en veux pas la bouteille. Là, là, il y a le retour. Là. Vas-y, avance encore un peu. Avance, avance. Bijoux. Voilà, maintenant tu pars. Allez, dégage. Merci, ma fille. Tu vois, ce qui aurait été adorable, c'était de me ramener à manger dans le même élan aussi. Mais bon, c'est pas grave, je t'ai pas demandé. Des bisous, fille. Non, je rigole, file, 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 j'ai pas le droit. Allez, des bisous, maman. Ciao. A tout à l'heure. Tu veux que je te le loue ? Le de quoi ? Le semoir ? Ouais. Oh bah moi j'étais parti peut-être. Enfin je pense. Je subtilement te dire qu'en fait tu pouvais simplement peut-être vendre le nôtre. Oui. Enfin moi je peux vendre le nôtre parce que je suis au magasin. Et racheter peut-être un nouveau derrière, tu vois. Pour éviter qu'on se tape du 3 mètres tout le temps, quoi. Ça aurait voilà. Pu être sympathique. Ok, d'accord, il a déjà acheté le nouveau. Pas de soucis. Je peux le vendre, là, il est pas loué. Il est loué ? Non. Il peut le vendre. Oui, je peux le vendre. Ok, merci. Merci beaucoup. L'épireuse, elle est louée ou elle est achetée ? Je crois que l'épireuse, elle est louée. Je crois, hein. Je suis pas sûr. Bye bye. Elle est louée. Pourquoi bye bye ? Il y a des cailloux encore à faire, attends. On la garde ? Ok. Bah ouais, attends, y a... on n'a pas 3 champs à nous. Bah si, mais ils sont pas prêts. Oui, mais ils sont... Enfin... Ça coûtera peut-être moins cher de la garder pour la faire passer 24 heures que de la... Que de la virer, surtout qu'on va en avoir besoin que 2-3 fois. Enfin, je sais pas, demande au patron, hein. Puis merde, je suis pas patron, moi. Tu te démerdes, vois ça avec Julien, c'est lui le patron, appelle-le. Allô, boss ? Oui. Il y a un dilemme. Démerde-toi avec Anto là, il me pose une question là, j'en sais rien, moi je suis pas patron, je suis pas là pour décider, je suis parti du dilemme. Je vous écoute. Il se débrouillera, je l'ai posé au regard, il se démerdera avec. D'accord. Vide avant de le vendre. Ouais, c'est fait que les moutes.
La pauvre, martyrisée par son père. Là. Alors, je suis pas sûr qu'elle soit martyrisée beaucoup, tu sais. Pas exigeant, le père. Elle est aussi habillée que toi, lol. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est laquelle, la grande ou la petite? C'était la petite. La grande, elle vient quasiment plus, tu sais. Enfin, quoique, elle va être là le week-end prochain. Mais maintenant, la grande, elle fait sa vie, tu sais. Elle parle de mariage, bébé l'année prochaine, bientôt un appart. Bon, ça grandit, les enfants, tu sais. Ça finit par grandir. Et ça s'envole. La grande, elle est grande. Et de la chance, j'ai pas encore tué le gendre. Je veux pas négocier avec Juju. Il veut pas négocier avec Juju. Non, il veut pas négocier avec Juju. J'ai cherché depuis tout à l'heure de dire qu'ils négocient ensemble, mais... Je sais pas, ils ont pas envie. Ils ont pas envie de négocier ensemble, t'sais. C'est vraiment dommage. Hop là. C'est pas comme ça, hein. De quoi, c'est pas comme ça? J'ai décroché, hein. T'as décroché quoi? Le rouleau. Et bonjour! Ah. Et bijour! Salut The Ghost! Alors attends, bouge pas. Attends, moi il faut... Moi il faut que je plante, hein. Oui. C'est moi qui plante le... C'est moi qui fais le champ de blé, là. Je le sème. Bah, soit tu le sèmes, soit tu le roules. C'est toi qui vois, mais... Ah non, mais je vais le semer, mais dans le prochain épisode, ça va être plus simple. Hein. Du coup, YouTube, on va se laisser là. Je vous fais des gros bisous. Et continuez à suivre la série pour plus de fun. N'hésitez pas à mettre des commentaires, voilà. Et certains d'entre vous, vous se retrouvant dans mon Discord. Voilà, si vous avez pas vu les épisodes d'avant, vous devez pas comprendre pourquoi, mais nous, on sait. Voilà. Je fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, les schizos. Ciao, bonsoir, ciao. Hop là. Ch'tigidi, 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 tac, tac.